Alors, mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47 et je vous amène faire une petite piste qui s'appelle la Huron. C'est la piste la plus longue du réseau. On vient de faire la section de montée. Et maintenant, je vais vous monter la section qui descend un petit peu plus. La Huron est une piste double track, quand même assez large, qui est facile de faire des dépassements. Pas de gros feature, pas rien de très très exceptionnel ou impressionnant. Fait que quelqu'un qui commence, c'est une très bonne piste. Parfait pour faire du kilométrage et se faire des pattes en début d'année. Si vous appréciez la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Comme on peut le voir, c'est pas une piste qui est très très impressionnante. Peut-être quelqu'un qui veut faire un peu de vélo de montagne, faire une bonne distance sans avoir à se soucier s'il y a des gros features qu'ils sont pas capables de faire ou qui peuvent causer problème. La Huron est la piste pour ça. C'est une piste qui est assez longue, qui doit faire entre 7 et 8 km, si je me trompe pas. À confirmer, je vais vous le montrer dans le bas du vidéo. Fait que belle petite piste pour se faire des jambes, pour réveiller la machine en début d'année. Oh, fait que là on vient de croiser la zombie wolf. Oh, que ça pourrait être beau à gaper ça! Je l'avais pas vu. Ouais, on vient de croiser Zombie Wolf. Jonction 2 et 3. Hop. Juste vous conseiller de faire attention lorsqu'il y a eu un petit peu d'humidité dans les jours d'avant. C'est une piste qui est très roulée, donc très tapée. Donc lorsqu'il y a un petit peu d'humidité, elle peut être glissante. Donc ça, je crois que ça a tout été refait. La première fois que je passais ici, c'était magané, magané. Et là, on doit être dans la fin, ou ce qu'on appelle l'ancienne section pour l'instant. Ça fait qu'on voit que c'était déjà un petit peu plus rocailleux. Un peu plus vélo de montagne que la section qu'on vient de refaire, qui a été refaite. Ah, voilà, on arrive proche des maisons. Ça veut dire que notre périple arrive à sa fin. Ça ici, dans les roches. Je vais essayer de pas vous donner des fausses informations. Hop. Non, ici c'est la Wi-Fi. Et voilà.
Ça fait que le Huron s'en va par là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une des 3V en prenant un petit raccourci par le reconstitué et le Wi-Fi. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode plus tranquille. Belle petite piste qui s'adresse débutants, intermédiaires, les gens qui commencent, les enfants, la famille. Et super le fun pour tout le monde. Un immense merci d'avoir écouté et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!